Candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Guillaume Soroué éprouve quelques difficultés à réunir son dossier de candidature complet. Dans la déclaration ci-dessous signée de son service de communication, le candidat déclaré à la présidentielle, mais actuellement en exil en France, dénonce la politisation à des fins électoralistes de l'administration ivoirienne, en particulier, des services des impôts qui hésitent à lui produire une attestation de régularité fiscale, alors qu'il détient tous les documents requis pour l'établissement de ce papier important dans son dossier de candidature, comme exigé par le code électoral. Alassane Ouattara, en réalité, peur de la candidature de Guillaume Soroué. Dans le cadre de l'élection présidentielle d'octobre 2020, le candidat Guillaume Kibafori Soroué, en vue de la constitution de son dossier de candidature, a sollicité auprès des services de l'État l'obtention de plusieurs documents administratifs. Grâce à des magistrats courageux, le candidat Guillaume Kibafori Soroué a pu entrer en possession de ses certificats de nationalité et casier judiciaire en plus de son extrait d'acte de naissance délivré par la mairie de son lieu de naissance. En revanche, il dénonce avec véhémence le dilatoire du directeur général des impôts, Ouattara Siabou, qui, sollicité pour lui établir une attestation de régularité fiscale, avec tous les documents requis à cet effet, donne dans des atermoiements incompréhensibles et indignes d'une administration qui se veut neutre et au service du peuple. Le candidat Guillaume Kibafori Soroué interpelle l'État de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante, sur le fait qu'un fonctionnaire de l'État s'autorise à s'opposer, sans raison apparente, à ce qu'un candidat puisse entrer en possession d'une attestation, qui est un droit pour tout citoyen, qui remplit les conditions y afférentes. Cela montre à soi que, Alassane Ouattara, inéligible à la prochaine élection présidentielle, a en réalité peur de la candidature de Guillaume Kibafori Soroué. En tout état de cause, le candidat Guillaume Kibafori Soroué n'entend pas laisser cette forfaiture sans suite.